on est très 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 heureux de revenir à la Bourse de Casablanca 20 mois après l'introduction en bourse. Notre présentation à la Bourse de Casablanca aujourd'hui est consécutive au fait que nous ayons bouclé notre programme d'investissement plus tôt que prévu. D'accord ? Donc nous avons investi depuis l'introduction en bourse 520 millions de dirhams sur des actifs qui sont entièrement loués, productifs, qui nous permettent de servir notre rendement. Je rappelle qu'Immorente a pour objectif d'acquérir des biens immobiliers professionnels à vocation locative qui sont loués à des grandes entreprises nationales et internationales, et tous les loyers collectés, déductions faites des charges, sont reversés à nos actionnaires, et c'est ce qui offre ce rendement de 6% et plus tous les ans. Aujourd'hui, nous avons bouclé notre premier programme d'investissement sur des actifs qui sont entièrement loués, donc qui permettent d'offrir ce rendement-là, et nous entamons une deuxième phase d'investissement où nous souhaitons lever des fonds pour répéter la même chose tout en faisant grandir Immorente et en améliorant sa liquidité. Eh bien, on verra, mais en tout cas, notre objectif, c'est de le faire dans les temps. L'objectif de cette démarche est de mettre sur un même pied d'égalité les anciens actionnaires et les nouveaux actionnaires. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de constituer et de renforcer un noyau dur, le noyau stable d'actionnaires qui nous accompagne, et également de permettre au plus grand nombre de venir souscrire et donc d'améliorer la liquidité de Immorente et d'agrandir en dirhams le flottant et d'améliorer la liquidité. Voilà. Eh bien, écoutez, déjà, je pense que nous avons beaucoup communiqué depuis notre introduction en bourse. Nous n'avons pas lésiné sur le fait de communiquer. Nous pensons qu'il est important que nous puissions communiquer sur nos performances, sur ce qu'on fait, sur nos développements. Et nous avons eu à cœur de le faire régulièrement et nous continuerons de le faire. Et puis, nous déroulons également pour cette opération une présence toute particulière, que ce soit sur la presse, la radio, le digital. Voilà. Donc, et puis on a également un réseau de banques partenaires qui nous accompagnent, donc un syndicat de placement élargi qui nous aideront à toucher le particulier. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.